Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Linde, je suis maman de deux enfants et je viens d'enchaîner deux fausses couches. J'ai essayé de trouver des témoignages, j'ai essayé d'en savoir plus pour pouvoir faire mon deuil. J'ai essayé de trouver des vidéos et des trucs, mais c'était la plupart du temps, c'était les mêmes personnes, c'était pas beaucoup. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, espérant que ça vous aide ou ça vous dit quelque chose. Je sais pas si déjà vous tombez là-dessus, c'est que vous êtes dans le même cas que moi. Alors, je suis maman, comme je vous ai dit, j'ai deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 6 ans. En juillet 2022, j'ai su que j'étais enceinte. Bon, on n'a pas encore essayé, mais c'était arrivé comme ça. J'étais vraiment heureuse d'être enceinte et le papa aussi, bien sûr, il était heureux. Et le 25 août 2022, j'ai fait la première échographie le 25 juillet 2022 et le 25 août, j'ai eu mal au ventre, un tout petit peu quand même, mal au ventre, normal. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est comme si je vais avoir mes règles, mais je suis enceinte. Donc, je ne comprenais pas. Après, avec mon garçon de 6 ans, quand j'étais enceinte de lui, j'avais mes règles 4 mois après avoir été. J'étais enceinte de 4 mois. C'est là où j'ai su. J'ai fait un déni de grossesse. Et c'est à 4 mois que j'ai su que j'étais enceinte. Mais les 4 mois avant, j'ai eu mes règles. Donc, je pensais que je faisais la même chose. Sauf que non, j'étais partie voir mon gynécologue. Et du coup, il a dit, c'est bizarre, c'est des... Tu es en train de perdre le bébé. Et voilà, et on a essayé tant de bien, de mal, de garder le bébé, mais voilà, on n'a pas pu. Donc, il n'y avait aucun symptôme, il n'y avait rien. J'ai pas bu, j'ai pas bu de café, j'ai pas fumé, rien du tout. Je ne travaillais pas comme on peut le penser, oui, quand tu travailles dur, quand tu bouges, quand tu portes des trucs lourds. Ça peut causer ça peut être la cause, quoi. Mais non, je faisais rien. Je restais au lit, je marche de temps à autre, mais pas pour autant, je faisais pas des marches des kilomètres. Donc, je trouvais ça bizarre. Et c'était. Tout le monde me disait oui, c'était rien, c'était quelques semaines, tu pourrais en avoir, c'est comme ça. Je pense que c'est pas. Ils me veulent pas de mal, juste essayer de consoler, mais non. Ce n'était pas rien. Non, c'était un enfant. Non, c'était mon bébé à moi. Donc, c'est pas léger. On ne peut pas me dire que voilà. Je gardais le silence parce que je voulais pas bousculer les gens. Je voulais pas. Je me faisais toute petite et je digérais. J'essayais tant de bien, de mal, de digérer mon mal-être avec ça, parce que j'avais mal, parce que j'ai perdu un enfant. Donc voilà, c'était ma première fausse couche qui était à 6 semaines. Donc après ça,
mois d'août, septembre, octobre, le 15 novembre, j'ai fait un test. J'avais des signes, j'avais des seins qui étaient assez lourdes, sachant que moi je suis toute fine, je fais 75A de taille de poitrine et là mon soutien-gorge, les seins ne rentraient plus. Et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que c'est? Je mangeais alors que je suis quelqu'un qui me force souvent à manger. Je commençais à manger et je sentais que quelque chose a changé en moi. Du coup, j'ai fait le test. Non, j'ai pas fait le test tout de suite. On a parlé avec le père. Il a dit non, non, j'ai pas envie d'avoir comme l'autre fois. On va essayer de garder le mystère et faire un test après. Et voir les symptômes, il veut dire. Et on a vu les symptômes. Je commençais à vomir, voir les nausées du matin. Je ne voulais rien faire à part dormir. Je pouvais plus rien faire. Aller dans la cuisine fatiguée, c'est fatigant quoi. C'était fatigant, tout me fatiguait. Une semaine, je lui ai mis la pression. Je dis non, non, je vais faire le test. Et on a fait le test, c'est avéré positif. Et du coup, on était très 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 heureux. Certes, c'est pas un bébé qui va remplacer l'autre qu'on a perdu, mais on était heureux d'accueillir un enfant, d'agrandir notre famille après ce qu'on a vécu avant. Et tout allait bien, le bébé grandissait, mon ventre commençait à grandir de jour en jour. Et on a même pensé que c'est peut-être des jumeaux parce que c'était vraiment énorme. À 3 mois, j'étais vraiment balèze. Ça se voyait que j'étais enceinte. Pardon, pour les autres, ça se voyait à 5, 6 mois, on va dire. Mais pour celle-ci, c'était vraiment gros. Et on était heureux, on était comblés. On a déjà acheté la poussette. On était déjà enthousiastes l'idée d'avoir un bébé. Parce que on dit souvent à 3 mois, il n'y a plus de risques. Non, il y a des risques. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Mais le 9 février dernier, j'ai eu mal au ventre le matin. J'ai eu mal au dos. C'est comme si j'étais fatiguée. Je venais de me réveiller. J'ai dit, j'ai mal dormi peut-être. Qu'est-ce que j'ai? Je suis partie pour prendre ma douche avec mes deux enfants. Et après ça, je suis montée, j'ai fait le petit déjeuner tranquille. Et au moment du petit déjeuner, j'ai vraiment mal. Mais sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 8 sur 10. Et je ne pouvais pas bouger. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais loin de penser que c'était le bébé. Je ne sais pas. C'est comme si ma conscience était ailleurs. J'avais pas compris. J'étais partie voir le père. J'ai dit, j'ai mal. Il me dit, repose-toi, allonge-toi, peut-être ça partira. Et lui, parti dans la cuisine prendre la relève avec les enfants. Et moi, je me suis allongée, mais je me suis allongée 2 minutes. Parce qu'après ça, j'ai trop mal. Et je me suis levée, je lui ai dit, écoute, on va à l'hôpital, parce que là, ça va pas. J'ai senti que mon bébé bougeait plus. Je lui ai dit, ça bouge plus, c'est le bébé. Et
Voilà, on était parti à l'hôpital et 5 minutes avant d'arriver à l'hôpital, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os et je suis partie. On est parti comme on était déjà en route. On était parti à l'hôpital et ils ont fait sortir le bébé. J'ai vu le bébé sans le vouloir. C'était bleu, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. J'ai perdu, je l'ai perdu quoi. Pourquoi on l'a perdu, on ne sait pas. Les médecins sont encore en train de faire des recherches, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on l'a perdu. Et voilà, après ça, j'ai eu les seins, j'ai eu les montées de lait qui étaient énormes. C'était vraiment ça qui m'a énervée parce que j'ai des montées de lait alors que j'ai perdu mon bébé. Après, oui, les mêmes refrains, oui, tu peux en avoir d'autres. Oui, ceci, cela. Je sais que on me veut pas de mal. Je sais que c'est pour en quelque sorte me consoler, mais je sais pas, ça me met en colère. C'est fou, mais ça me met en colère. Quand les gens te disent que oui, il y a beaucoup de femmes qui a ça, c'est pas que je m'en fous, mais moi je pense à moi, je suis égoïste dans ce côté-là. Donc voilà. Voilà. Donc j'en suis à deux fausses couches. Pourquoi? Je sais pas. Mon gynécologue pense que j'ai peut-être le col qui est mou et je sais pas. Mais en ce moment, on fait des essais bébés. Je viens de télécharger une application pour essayer bébé. Ça s'appelle une minute. Ça s'appelle.